الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشكركم جميعا على حضوركم وعلى تواجدكم في هذا المجلس المبارك ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المجمع الكريم أن يجمعنا غدا في جنات النعيم إخوانا على سرور متقابلين. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de votre présence ici et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout comme il nous a rassemblés en cette assise bénie ici, qu'il nous rassemble dans l'au-delà, dans son paradis. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde pour chaque instant que vous passerez ici dans cette assise bénie bi'idhnillah, la récompense que vous méritez. Le sujet d'aujourd'hui, mawdou'u kalamina al-yawm, ce sera un sujet, incha'Allah ta'ala, d'une importance capitale. Et malgré que c'est un sujet d'une importance capitale, c'est un sujet qui malheureusement est négligé de nos jours. Tellement qu'on trouve des personnes qui ne lui donnent pas la valeur qu'elle mérite ou qu'il mérite, qui ne le traitent pas comme il devrait être traité, qui ne le prennent pas d'où il devrait être pris, qui ne lui accordent pas le respect qu'il mérite. Ce sujet-là, c'est un sujet qui pourtant représente le socle de notre vie, qui est la base fondamentale de notre existence, qui est le pilier de notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est ce sujet-là qui est le principe sur lequel on base toute notre relation avec notre Seigneur tabaraka wa ta'ala qui nous a créé. Toute notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, à qui on doit l'adoration, à qui on doit être soumis, à qui on doit mourir, ou pour qui on doit mourir en pleine soumission, eh bien, ce sujet-là qui est le fondement et la fondation de tout cela, c'est un sujet qui est grandement négligé à notre époque, malheureusement. Ce sujet, quel est-il? Cette question, quelle est-elle? Eh bien, ce sujet, c'est le sujet de la science, c'est le sujet de l'ilm. Et pas n'importe quelle science. Parce que la science, la connaissance, la sagesse dans le sens large, bien évidemment, ça peut prendre plusieurs significations. Comme vous le savez, ça peut vouloir dire toutes les connaissances de manière générale, profane, mondaine, toutes les matières que vous connaissez, toutes les images qui vous viennent en tête lorsqu'on parle de science avec un S. Mais ici, on va parler d'une science toute particulière, d'une catégorie spécifique de ce grand cercle qu'est la science. Ici, on va parler de la science dans le sens de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de la connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. On va parler ici de ilm shar'i. On va parler de science légiférée. On va parler de science qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce soit le lien qui nous lie à lui. Eh bien, cette science-là, c'est tout simplement apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre à l'adorer et apprendre à faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. C'est cela le résumé de l'objectif qu'on a à travers la science et l'apprentissage de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous invite à étudier et à apprendre cette noble science en nous rappelant ses mérites à plusieurs passages du Coran et à plusieurs passages de la sunna que vous connaissez très certainement et que vous avez entendu maintes et maintes fois. Mais on va les rappeler ici pour simplement déjà profiter de la bénédiction de ces textes sacrés, parce que ce sont des textes sacrés, mais également pour se rafraîchir la mémoire. Parce que comme vous allez l'entendre par la suite, même si on connaît tout cela, même si on a en tête ces versets, on a en tête ces hadiths, on trouve encore des comportements bizarres, on trouve encore des agissements étranges vis-à-vis de cette science-là qui pourtant est claire et limpide. Mais certaines personnes ne la souhaitent pas ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à étudier cette science-là qui est relative à sa connaissance et qui est relative à la connaissance de son adoration dans plusieurs versets. Parmi les versets, il y a celui où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne directement à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pourtant celui qui recevait la révélation, qui est pourtant celui qui avait un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pourtant celui qui peut-être, ou celui qui très certainement avait
le moins besoin parmi les serviteurs d'Allah de recevoir cet ordre. Évidemment, parce que c'était le plus savant parmi tous les serviteurs. Et ça, on le dit avec grande certitude. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit ? فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Sache que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et demande pardon pour tes fautes ainsi que pour les fautes des croyants et des croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَعْلَمْ. Sache. Ici, pour ceux qui touchent un peu en arabe, le béaba de l'arabe, c'est de reconnaître qu'ici, c'est un fi'al amr. C'est un verbe à l'impératif. فَعْلَمْ, اِعْلَمْ. C'est un verbe à l'impératif qui implique l'ordre. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici l'ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous ceux qui suivent derrière, d'apprendre. Non pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ignorant, mais parce que cette relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut être revivifiée, elle ne peut être entretenue que par le fait d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit le premier point de la science, le premier point de la connaissance, c'est apprendre à connaître notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Apprendre tout ce que ça implique que d'être le serviteur d'Allah. Et bien ça, c'est la première étape. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne, à travers cet ordre qu'il adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre. Fa'alam. Fa'alam, c'est tiré directement de la racine de l'ilm, de la science, de la connaissance, du savoir. Apprends. Apprends et sache que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Apprends ce socle fondamental qui est la croyance et tout ce qui s'ensuit parmi les sciences religieuses qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Et également, dans un autre verset que vous connaissez très sûrement, ici c'est un verset qui est qualifié par certains savants comme étant un verset surprenant. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse toujours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit de dire une parole qui, si on la méditait, on se rendrait compte à quel point cette parole-là est surprenante. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un certain nombre de versets à la fin de surat Taha, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les versets, il lui dit « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا » et dit « Ô Seigneur, accrois mes connaissances. Rajoute-moi en connaissance. » L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, que vous connaissez très certainement, il dit « Ce verset, c'est un des versets qui montre le plus le mérite de la connaissance et du savoir religieux. » Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout le Coran, il n'a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il n'a jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander à lui de lui rajouter quelque chose, mis à part la science et la connaissance. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on vient dans le contexte de la vie mondaine, des richesses mondaines, de tout ce qui va être argent, de tout ce qui va être possession, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: "Wa la tamuddanna 'alayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata al-hayati ad-dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khayrun wa abqa." Il lui dit: "Ne tends pas ton regard vers ceux avec quoi nous avons, ou vers ceux par quoi nous avons donné une réjouissance à certaines personnes dans cette vie d'ici-bas. Ce n'est que la fleur d'ici-bas, ce n'est que la fleur de cette vie d'ici-bas. Afin que nous les éprouvions et nous les testions avec cela. Et la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus pérenne encore." Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dévie le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment dans le sens apparent du verset, de ces choses-là vers lesquelles courent les gens, les apparats, les attraits de cette vie d'ici-bas, les richesses, et il l'oriente vers quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est la subsistance d'Allah. Et la subsistance de ton Seigneur et les dons de ton Seigneur sont meilleurs et plus éternels encore. Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers ce vers quoi notre regard également doit être orienté. Ça, c'est pour la dunya. Mais par contre, dans la science, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et dit: ô Seigneur, accrois mes connaissances. Malgré le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le puits de connaissances et de sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était notre enseignant, c'était notre éducateur, c'était celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la science. C'est lui l'intermédiaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui donner la révélation, pour qu'il nous la transmette. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de demander à accroître ses connaissances. Donc ce verset-là, il doit nous rappeler
que dans notre course quotidienne, et ça je m'adresse en ces propos à chacun d'entre vous et à moi en premier, dans notre course quotidienne pour notre confort, dans notre course quotidienne pour nos occupations de tous les jours, et chacun a ses occupations, du jeune étudiant au retraité, en passant par le travailleur, en passant par l'employé, en passant par le chef d'entreprise, on a tous nos occupations quotidiennes. Et on court tous derrière nos occupations quotidiennes. On court tous derrière un rajout en profit. On a tous cette obsession dans un coin de notre tête qui est comment faire plus ? Comment faire plus d'argent ? Travailler plus pour gagner plus, disait l'autre, n'est-ce pas ? On a tous, malgré nous, cet aspect-là dans notre esprit qui est ancré. Eh bien, dans cette course-là, on doit se rappeler que tout cela, eh bien, ça n'a pas été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala directement. Mais la seule chose qui a été demandée par Allah subhanahu wa ta'ala directement, c'est-à-dire la seule chose de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, de demander qu'il nous rajoute, c'est la science et la connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala élève par la connaissance et élève par la science dans des degrés qu'on ne soupçonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève ceux parmi vous qui ont eu la foi ainsi que ceux qui ont eu la connaissance en degrés. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset ici, il utilise une formulation particulière que je vais essayer de dépeindre en français de la meilleure manière, inshallah ta'ala. Vous avez entendu la traduction littérale du verset. Maintenant, on va réfléchir un peu, parce que c'est comme ça qu'on doit aborder les textes de la révélation, avec un peu de réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit: Allah élève ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degré, n'est-ce pas? Est-ce que ceux qui ont reçu la science, ils sont différents de ceux qui ont eu la foi? C'est-à-dire qu'on a ceux qui sont croyants et on a une autre catégorie qui ne sont pas croyants mais qui ont eu la science? Répondez. Tout le monde est mort ? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait la distinction ? Allah élève ceux qui ont eu la foi et ceux qui ont eu la science, comme si c'était deux catégories différentes, à votre avis ? Vous n'avez pas compris ? On répète ? Le verset, il dit: Allah élève ceux qui ont eu la foi d'entre vous ainsi que ceux qui ont eu la science, comme si c'était deux catégories différentes. Est-ce que c'est deux catégories différentes, effectivement, ou pas? Oui. Oui. Donc ceux qui ont eu la science, ils n'ont pas la foi. Deux caractéristiques différentes. Deux caractéristiques différentes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il spécifie de tous ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont eu la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, ceux qui ont eu la base de la foi, ils sont élevés en degré. Allah subhanahu wa ta'ala, il les élève en degré. Mais parmi eux, ceux qui ont eu la science, ils sont encore plus élevés que le commun des mortels. Ils sont encore plus élevés que le commun des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala les spécifie pour dire: ceux qui ont eu la foi et ceux qui ont eu la foi et la science, ils sont élevés encore plus en degré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te cite cela pour t'inviter à ne pas te contenter d'être dans le plus bas des degrés, mais à toujours essayer de viser l'excellence. Lorsqu'une personne, elle entend ce genre de verset, elle doit les méditer de sorte à en profiter de manière positive dans sa vie. Et ça, je me permets de faire une courte parenthèse sur cela. Lorsqu'on entend le Coran, on a trop peu tendance à méditer véritablement l'essence d'une manière qui va être profitable sur l'instant, dans notre vie spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on a trop tendance soit à écouter les versets sans rien y comprendre, ou à les lire, pour ceux qui lisent la traduction par exemple, sans rien y comprendre, soit à essayer de regarder l'exégèse, mais de manière technique. Mais très peu sont ceux qui essayent de tirer le nectar des versets qui est applicable sur le champ à leur vie. Et bien, parmi les très nombreuses sagesses qu'on peut tirer de ce verset, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à être parmi l'élite. C'est-à-dire que lorsque tu entends ce verset, tu dois l'aborder de manière positive. Il y a ceux qui ont eu la foi, et ceux qui ont la foi et la science. D'accord, alors moi je ne me contenterai pas d'être parmi le stade de ceux qui ont eu la foi uniquement, mais je vais toujours essayer d'aller vers l'excellence, d'être parmi ceux qui sont encore plus élevés, d'être parmi ceux qui ont eu la science et qui sont élevés en degré encore plus supérieur que ceux qui ont simplement la foi.
Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith où il dit يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ أَخْرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala élève avec ce livre qui est le Coran des peuples, des communautés, des gens, et il en rabaisse d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala élève certaines personnes avec le livre d'Allah et il en rabaisse d'autres. À chacun de voir le niveau dans lequel on souhaite être. Et un des plus importants points de l'étude de la science, en plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te cite, en plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne, en plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève, en plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve une catégorie particulière, comme c'est mentionné dans énormément de versets. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist » Allah atteste que nulle divinité mérite d'être adorée en dehors de lui, ainsi que les anges et ceux qui ont reçu la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala met au même niveau son témoignage, le témoignage des anges et le témoignage de ceux qui ont reçu la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith « Inna lillahi ahlina min al-nas » Allah subhanahu wa ta'ala a des rapprochés et des proches parmi les gens. Et les compagnons dirent « Man hum ya Rasulallah » Qui sont ces gens au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh » Ce sont les gens du Qur'an, les gens qui ont appris le Qur'an, les gens qui ont su les significations du Qur'an. Et le Qur'an, c'est la base de toutes les sciences. Le Qur'an, c'est le fondement de toutes les sciences. Et bien, ceux qui ont eu le Qur'an, ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses proches. Et bien, en plus de tout cela, parmi les plus grands bénéfices et les plus grands points positifs de la science, il y a le fait de sortir de l'ignorance. Il y a le fait de sortir de l'ignorance. Et j'aimerais insister sur ce point dans les quelques minutes qui me restent, parce que vous savez, on est dans une époque qui est difficile. Et je pense que personne parmi vous ne s'opposera à ce que je dis, si je dis qu'on est dans une époque, qui est particulièrement difficile, qui est particulièrement dangereuse. Dans une époque où les ténèbres de l'ignorance se sont établies à un point où même ceux qui s'intéressent aux sciences religieuses, même ceux qui s'investissent religieusement, ont du mal à tenir, sans parler de ceux qui sont loin. Même ceux qui sont censés être l'élite ont énormément de mal à tenir. On est dans un moment, on est dans une période, dans un stade où on a tellement peur pour sa foi, on a tellement peur pour sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, que on ne sait pas comment réagir. Et l'ignorance est établie malgré cela, et elle a profité de ces moments-là de perturbation pour toucher énormément de personnes. Et chacun en fonction du stade dans lequel elle l'a touché. Il y a al-jahl basit, celui qui est simplement ignorant, qui ne connaît pas sa religion, qui n'apprend pas sa religion, et qui va faire des catastrophes. Il y a ceux qui ont un jahl murakkab, et on va en reparler, une ignorance aggravée, qui se prétendent savants alors qu'ils ne connaissent rien. Et donc l'ignorance en fonction des personnes qu'elle touche, elle a un stade différent. Et face à cela, la seule et l'unique arme qu'on peut prendre, c'est le savoir, c'est l'apprentissage. Et donc parmi les aspects les plus méritoires de l'apprentissage de la science à notre époque, il y a le fait de combattre l'ignorance. Combattre l'ignorance par rapport à nous-mêmes et la repousser de nous, combattre l'ignorance par rapport à nos proches et à notre cercle privé, à notre cercle rapproché, et combattre l'ignorance par rapport à toute la communauté dans laquelle on est. Combattre l'ignorance, combattre les ténèbres de l'ignorance. Al-ilmu nurun wal-jahalatu halak wa man sara fi dhulmati al-jahli halak, comme disait le poète. La science est une lumière et l'ignorance est ténèbre. Et celui qui vogue dans les ténèbres, eh bien, il va à sa destruction, il va à sa perte. La science est une lumière qui vient pourfendre les ténèbres de l'obscurité. Eh bien, cette science-là, on doit la prendre et on doit prendre cette responsabilité. Chaque personne qui est présente ici, elle a une responsabilité. Là, je m'adresse à chacun d'entre vous. Si je vous connaissais chacun d'entre vous avec votre prénom, je vous citerai par votre prénom. Chacun d'entre vous, sans exception, sans aucune exception, même les enfants, même les plus jeunes d'entre nous, on a tous une responsabilité. On a tous une responsabilité qui est rattachée à notre cou par rapport à notre religion, par rapport à ce dépôt et par rapport à cet héritage qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié par rapport à l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a tous une responsabilité parmi notre religion.
On a tous une responsabilité par rapport à notre religion et il est impensable. Il est impensable, en particulier à notre époque, que n'importe qui se permette de délaisser cette responsabilité. Il est impensable que je trouve ou que l'on trouve parmi nous certains qui disent « Oui, mais de toute façon, d'autres s'en occuperont, d'autres apprendront la science et d'autres enseigneront et moi, j'en ai pas besoin. » C'est impensable. Chacun d'entre nous doit prendre cette responsabilité à cœur pour combattre l'ignorance. Parce que comme je disais, il y a l'ignorance de base, qui est « al-jahl al-basit ». Et ça, les savants disent que c'est haram, c'est interdit de rester dans ce stade par rapport à ce qu'il est obligatoire à la personne de connaître. C'est-à-dire, par exemple, il était obligatoire de faire les 5 prières par jour, eh bien, il était haram, il était interdit, illicite, religieusement, de rester dans l'état d'ignorance par rapport à ces 5 prières. Et tous les jours, on entend des questions par rapport à la prière, on se dit, mais celui-là, il prie depuis quand? Il prie depuis l'âge de 5 ans, et il arrive à 30 ans et il demande, est-ce que toucher un mur, ça annule les ablutions ou pas? Est-ce que manger des gaufres, ça annule les ablutions ou pas? Des choses stupides qu'on entend, et on ne blâme pas la personne qui pose la question, on blâme l'état dans lequel la personne s'est satisfaite jusqu'à arriver à un âge avancé où elle a peut-être un nombre de prières incommensurable qui est caduque. Pourquoi? Parce qu'elle s'est satisfaite de cet état d'ignorance qui pourtant est haram. Et ça, j'ai cité l'exemple de la prière, mais ça concerne tout ce qui était obligatoire. C'est-à-dire que si tu commences à faire beaucoup d'argent, mashallah, tabarakallah, tu ouvres un business, tu commences à ramasser énormément d'argent, comme notre frère, je plaisante. On est pareil dans la même situation. Et tu commences à ramasser énormément d'argent, et tu commences à avoir beaucoup de richesses, et bien tu dois apprendre tout ce qui est relatif à cette richesse-là. Les règles de zakat, les règles du commerce, hein, de la vente et de l'achat, pour savoir ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé. Et des personnes qui ont des années et des années dans tel commerce, et à un moment... Ça lui a pris, un jour il a assisté à une conférence, on a posé la question à la personne qui faisait la conférence, il a dit c'est haram. Il s'est rendu compte que ses années de vie, eh bien il les a passées dans le haram. Ça c'est un état dans lequel il est illicite de rester. Par rapport à ce qui était obligatoire. Et par rapport à ce qui n'était pas obligatoire, ce n'est pas illicite, mais c'est mauvais. C'est mauvais de rester et de se satisfaire, de rester dans un état où tu ne sais pas, où tu ne connais pas ta religion. Où tu ne connais pas véritablement ton Seigneur, où tu ne connais pas véritablement ton prophète, où tu ne connais pas véritablement les règles de ta religion. Et c'est honteux. C'est honteux véritablement. C'est honteux de se satisfaire, de rester dans un état où on te pose une question sur ta religion et tu bégayes, tu ne sais pas répondre. Et combien de personnes sont dans ce cas? Et personnellement, pour vous raconter une histoire personnelle, parce que c'est les histoires en général qui sont... les plus sincères, une des plus grosses raisons, une des plus grandes raisons qui m'a motivé et qui m'ont motivé à essayer d'apprendre un minimum, parce que je suis toujours ignorant, mais on essaye de se sauver, de se sortir de ce trou, eh bien c'est que quand j'étais dans un âge, quand j'étais au début du collège, c'était le mois de Ramadan. Et on jeûnait le mois de Ramadan, et une personne non musulmane, mais qui s'intéressait à l'islam, elle est venue me poser la question, elle m'a dit « Mais pourquoi vous jeûnez le mois de Ramadan ?» Moi je lui ai sorti ce que j'entendais, je lui ai dit « Oui, c'est pour sentir la douleur des pauvres » ou je ne sais plus ce que je lui avais sorti. Je lui ai sorti ce que j'entendais qui se répétait, etc. Il commence à discuter avec moi, il me dit « Mais non, c'est, si c'est religieux, si c'est Dieu qui vous a imposé cela, si c'est une adoration, ça doit être beaucoup plus profond que cela. » On était en sixième. Et il me pose ce genre de questions qui, pour moi, me dépassaient. Ce n'étaient pas des questions que je me posais. Pour moi, j'avais vu mes parents et ma famille jeûner. Je jeûnais. Et je commence à me dire, mais comment est-ce que moi, qui me prétends musulman, qui me prétends de cette communauté, je ne sais même pas répondre à une personne qui vient me poser la question sur les sagesses de la science, sur les sagesses du jeûne, pardon, du CM, sur les sagesses du jeûne. Comment est-ce que je peux me satisfaire de rester dans cet état-là? Et à partir de là, wallillahi alhamd, le jour où je suis rentré, bien, j'ai commencé à essayer de chercher, très modestement, mais je me souviens avoir au moins fait cet effort-là, d'aller chercher pourquoi est-ce qu'on jeûne, les sagesses de la science, les sagesses du jeûne, pardon, les sagesses du siyam dans la religion. Eh bien, il y a ce genre de déclic-là qui nous font
comprendre à quel point on est pitoyable, à quel point on a une ignorance qui est terrible. Et on doit essayer de s'en sortir. Et je vais terminer, inchallah ta'ala, et je vais clôturer mes propos avec le grand danger dans ce sujet de l'ignorance-là, qui est ce dont je vous parlais, qui est le jahl al-murakkab, qui est l'ignorance aggravée. On a l'ignorance de base qui est la personne qui dit « je ne sais pas, Allahu a'lam, je ne sais pas, j'ignore ». On lui pose une question et dit « j'ai pas appris, je ne sais pas ». Mais on a l'ignorance de celui qui est ignorant et qui est ignorant du fait qu'il est ignorant. C'est-à-dire qu'il ignore, mais en plus il ignore qu'il ignore. Et donc il se pense savant malgré lui. Parmi les histoires qui sont rapportées, à ce sujet, il y a un homme qui s'appelait Toum al-Hakim, qui fait partie des gens qu'on évoque dans la littérature arabe, et de cette catégorie-là, de ceux qu'on appelle ceux qui ont al-jahl al-murakkab, cette ignorance aggravée. Toum al-Hakim, c'était un homme qui était complètement ignorant, complètement, mais qui s'est improvisé un beau jour médecin. Il a dit « aujourd'hui, je vais ouvrir un cabinet » et je vais m'improviser médecin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la librairie, il a acheté le canon d'Ibn Sina, il a acheté le canon d'Avicenne, et il a commencé à donner aux gens des avis médicaux à partir du canon. Et un jour, une personne est venue, cette histoire-là, elle est rapportée selon énormément de versions, mais une des versions dit que un jour, une personne est venue et lui a dit « j'ai un mal de tête », ce qu'on appelle en arabe « soudar », « j'ai un mal de tête », et je souhaiterais que tu me donnes un médicament ou un soin qui va guérir ce mal de tête-là. Et donc lui, il ouvre son livre et il va chercher au chapitre du mal de tête et il voit que parmi les soins principaux du mal de tête, il y a al-habbatu sauda, ce que vous connaissez comme étant la graine de nigel. Mais sauf que son livre, il avait une erreur d'impression. Et donc au lieu d'avoir écrit al-habbatu sauda, il y a un point qui s'est glissé en dessous du bas et ça a donné al-hayyatu sauda, ce qui donne la vipère noire. Au lieu de la graine noire, ça donne la vipère noire. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit, tout idiot qu'il est? Il lui a dit, tu vas prendre une vipère et tu la manges. Tu vas prendre une vipère et tu la manges. Et au moment où tu la mangeras, eh bien, tu vas voir ton mal de tête, il va s'en aller. Il a pris la vipère, il l'a mangée, il est mort. Et donc à propos de cela, ils disent qu'à un moment, l'âne de Toum al-Hakim, il s'est plaint. Il a dit, mais comment ça? Pourquoi est-ce que c'est lui qui me monte et pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui le monte? قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ تُوْمَا لَوْ أَنْصَفُونِي مَا كُنْتُ أُرْكَبْ لِأَنِّي جَاهِلٌ بَصِيطٌ وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَبْ. Ils disent, l'âne de Toum al-Hakim, il a dit, si les gens avaient été justes envers moi, c'est pas lui qui monterait sur moi, c'est moi qui monterais sur lui. Parce que moi je suis un ignorant de base, c'est-à-dire l'âne il dit, moi je suis ignorant. Mais Toum al-Hakim qui monte sur moi, lui il pense être savant alors qu'il est ignorant. Donc il dit, s'ils avaient été justes envers moi, eh bien ce serait moi qui monterais sur lui, ce serait pas lui qui monterait sur moi. Donc ça vous montre à quel point l'ignorance est grave, l'ignorance peut tuer. Ici on en rigole, mais quand ça touche à la religion, regardez, combien de personnes meurent, combien de personnes vont commettre des atrocités, des crimes, combien de personnes vont commettre des choses terribles à partir de l'ignorance, à partir de personnes qui se seront improvisées dans le rôle de guide, dans le rôle de savant, alors qu'ils n'en ont pas l'étoffe, alors qu'ils n'en ont pas les capacités, les compétences, et qu'ils se sont permis de se prononcer sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils étaient aussi ignorants que Toum al-Hakim. Et combien de catastrophes ça a donné? Et donc, c'est pour cette raison, en particulier, pour combattre l'ignorance, que ce soit par rapport à sa propre personne, comme par rapport aux autres, qu'il est impératif d'apprendre notre religion. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et je donne la parole à mon bien-aimé frère Nader pour qu'il nous illumine de ses propos bénis. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis d'être présent parmi vous. Et je demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée, ceux qui ont préparé cette rencontre. Jazakumullahu khair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah vous protège, qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense, car par ces assises, les cœurs s'illuminent, les foi augmentent, la fraternité se ressent, et puis c'est de cette manière qu'on peut avancer, évoluer et cheminer spirituellement. Ahbab al-Kiram, l'intro de mon frère Mohamed suffit largement sur l'importance du savoir. Moi, ce qui m'attriste un petit peu quand on parle de ce sujet, c'est de voir, et je vais revenir un petit peu et le rejoindre sur ce point, et on va dire que ça sera mon intro à moi, c'est de voir à quel point l'ignorance s'est propagée. Vous savez, quand on regarde un petit peu les textes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wasalam, subhanallah, tout est clair comme le drosh. Le prophète alayhi salatu wasalam lui-même, il dit, je vous ai laissé sur une voie claire, de jour comme de nuit. Et dans d'autres hadiths, j'ai laissé parmi vous ce que, si vous vous y attachez, vous ne vous égarez pas. Le livre d'Allah et ma sunna dans une version. Et donc, si l'on s'accroche réellement à notre religion, Allah tabarak wa ta'ala, il va nous faire vivre une bonne vie. Une vie où on est apaisé, on est bien intérieurement. Tout est clair pour nous. Notre vie est stable et équilibrée. Mais quand on est nous-mêmes ignorants et qu'on fréquente des ignorants et qu'on est tous et toutes connectés sur les réseaux sociaux où des tonnes d'ignorants se prononcent. Et toute la terre aujourd'hui a une audience. Aujourd'hui, tu fais une page YouTube sur les artichauts, tu auras des gens qui vont te suivre. Tu fais une page YouTube pour parler de la disparition des ours au pôle Nord, tu vas avoir des milliers de personnes qui vont te suivre. Tu ouvres une page YouTube, tu es suivi. Tu ouvres un compte Facebook, tu es suivi. Insta, pareil. Et on entend aujourd'hui des gens, là je ne vais même pas parler de prêcheurs et d'imams, déjà, parlons déjà de manière générale. On entend aujourd'hui des gens qui sont suivis, et là je pense que ça va vous parler bien comme il faut, hein, la jeunesse qui est sur Insta, Snap, etc., qui sont suivis par des centaines et des milliers de personnes. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il véhicule comme message ce frère? Rien. Il se prend en photo quand il s'habille swag. Rien, il n'y a pas de message. Il est allongé sur un coussin, torse nu, avec les cheveux en l'air. Il y a 12 000 likes sur son image. Et moi, en fait, lui, miskin, il me fait de la peine. Je me dis, il perd beaucoup de temps. Mais moi, ce qui m'attriste, ce n'est pas réellement lui. C'est tous ceux qui sont autour et qui mettent des clics et des likes. Mais comment, qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes? Ces gens-là n'ont pas de message. Et subhanallah al-ali al-azim, il est là, il mange un sandwich, prends-moi en photo, snap-moi. C'est ça aujourd'hui la mode, hein. Snap-moi. Il est snappé, va voir combien il a de retour. Il n'arrive plus à s'en sortir, il n'arrive plus à lire tous les messages qu'il reçoit. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a tellement d'ignorance qu'il y a eu une perte d'objectif. On ne sait même plus pourquoi on existe. Les plus grands consommateurs, c'est nous. Les gens qui perdent le plus de temps, c'est nous. Chacun d'entre nous pourrait faire un site comme onperddutemps.com. On est tous capables de le faire, et de le remplir et de mettre du contenu inédit. Mais croyez-moi, moi ça me fend le cœur de voir à quel point aujourd'hui les ténèbres de l'ignorance ont pris place sur la toile. Ils sont là sur les réseaux, ils sont installés. Et ils ont des milliers de disciples. Qui sont-ils? Nos frères et nos sœurs. Et ça se trouve même que c'est des gens parmi vous. Pourquoi tu le suis? Franchement, je sais pas, t'as vu, il a 400 000 personnes sur Insta. Ouais, mais c'est quoi son message? Je sais pas, mais tout le monde le suit. Un troupeau de moutons. Ils vont à droite, je vais à droite. Ils vont à gauche, on va à gauche. C'est tout. Ça, je parle ici des gens qui ne sont pas, on va dire, des prêcheurs, des do'at, etc. Mais ce qui me fend le cœur, wa rabbi al-Ka'ba. Et j'ai l'impression de, ces derniers temps, je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'on vit vraiment une ghorba exceptionnelle. On vit comme des vrais étrangers. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit,
Il a dit, l'islam apparaît étranger, il redeviendra étranger comme il est apparu. Et subhanallah, on vit ça. On vit une époque où n'importe quel imam, il dit n'importe quoi, il est écouté et suivi. Et on transmet ses paroles. Il n'y a même plus le réflexe de se dire, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que quelqu'un peut nous vérifier ses propos? Non, pour argent comptant, tout ce qui est dit, c'est caché. C'est du AVS. Mais je vous le dis, je le répète, hein, ça me fend le cœur. Au point où on en arrivait à une bassesse, où certains parmi les conférenciers vont recommander à notre jeunesse d'écouter des rappeurs. Des conférenciers. Wallah, et je vous le jure par Allah Azzawajal, ça m'a choqué. Pour une raison qui est simple. Hormis le débat des quatre écoles qui vont parler d'interdiction d'instruments et d'Ibn Hazm, etc. Est-ce de cette manière qu'on élève le niveau spirituel de la communauté? Est-ce une clairvoyance? Est-ce une hikma, une sagesse de venir dire aux gens, moi je vous recommande ça parce que c'est pas mal, c'est bien? Ça pour moi c'est un fruit du jahl. Ça n'a pas d'autre nom. Et toutes les fatwas bizarroïdes, comme subhanallah, on parlait à l'imam Malik de l'gharaib, de ses avis étranges, il disait min al-gharib inafir. L'imam Malik, rahimallah, il n'aimait pas toutes ces choses étranges auxquelles les gens aujourd'hui veulent s'attacher et buzzer dessus. C'est devenu une mode, le buzz, même dans la da'wah. On met une vidéo, on met une photo, et des fois, tu essaies de comprendre, est-ce que ce réseau qu'il détient, ce réseau social, que ce soit Facebook, Insta, Snap, est-ce que l'objectif, c'est de mettre en avant sa personne ou le dîn d'Allah? Quand tu scrutes certaines pages Facebook, je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas de mon éducation. Okay? Quand tu scrutes certaines pages YouTube, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message qu'on veut envoyer? Est-ce que la personne cherche à tout prix à montrer qu'elle existe? Je suis là? Ou est-ce que c'est le dîn d'Allah qu'il faut mettre en... C'est une nuance, faites très attention. Il y a des gens qui font des vidéos et qu'Allah leur accorde la sincérité. Et je ne suis pas en train de dire que ceux qui font des vidéos, ils font de l'ostentation, c'est des mora'in, etc. Non, il y a, mashallah, parmi eux des gens bien, des gens sincères, des gens pieux, des gens qui font beaucoup de rire, qu'Allah les inonde de bienfaits, les récompense et leur rajoute. Et il y a malheureusement aujourd'hui une vague monstrueuse de personnes qui, j'essaie de trouver les mots les plus justes et les plus propres, qui se prétendent être des rénovateurs, des gens qui sont bien éclairés, d'accord? Et on entend aujourd'hui, voilà, on est en 2018, il faut vivre son contexte, on est d'accord. On est entièrement d'accord qu'on a un certain contexte, que nos fatwas, on ne les prend pas de n'importe où, hein, de l'étranger, on appelle quelqu'un. Non, on a besoin de gens qui connaissent notre contexte, qui maîtrisent, etc. Tout ça, on est d'accord avec. Tout ça, on est d'accord avec. Il faut une cohérence. Pour ça, il faut suivre des écoles juridiques. Alhamdoulilah, il y a un grand retour en ce moment vers les écoles juridiques. Et t'en as, les quatre écoles. Lui, tout ce qui est chèvre, tout ce qui est isolé, ça l'attire. Tout ce qui est isolé. Là, ici, Ibn Hazm, il autorise ça. Allez hop, on y va. De l'autre côté, Ibn Hazm, il oblige quelque chose. Non, là, ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui autorise. Et c'est comme ça dans plein de chapitres. Dans plein de chapitres. Et je vous le dis, moi, wallah et l'adim, ça me prend le cœur. Je ne suis pas en mode là, juge, tribunal, où je suis en train de condamner, juger des gens. Je suis en train de juger des actes. Et ça, c'est notre devoir, nous qui prenons la parole. Parce que ça, pour moi, c'est un munkar. C'est du blâmable qui se propage à une vitesse éclair dans les réseaux sociaux et un calme, tranquille, un silence impressionnant. Impressionnant. Ou ces gens-là, voilà, un tel, il va dire le hijab, c'est pas obligatoire. Il y a ijma, mon frère. Non, mais c'est pas grave, c'est pas obligatoire. L'autre, il va dire, non, mais il y a divergence quand même. Et ça y est, les fondamentaux, on est en train de vous les secouer. C'est-à-dire le Coran. Aujourd'hui, les gens, ils veulent une nouvelle lecture. Donc, laisse-nous tafsir al-salaf, laisse-nous un peu l'exégèse des pieux prédécesseurs et revoyons ça un petit peu à la lumière de 2018, bien ajusté. Ok, pas de problème. Et tu vois que c'est totalement dénaturé. C'est même plus le texte originel. C'est en train de salir notre religion. La sunna, elle est remise en cause à un tel point que des prêcheurs sur YouTube se permettent de dire 90% de la sunna, c'est faux. Ou les hadiths, c'est des mensonges sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari et Muslim n'ont pas fait leur travail. Bukhari et Muslim n'ont pas fait leur travail. Les quatre écoles, c'est des hommes. Mais finalement, il reste qui? Il reste toi. Franchement, entre prendre d'eux et de toi, wallah, il n'y a pas photo.
Mais ça, c'est simplement pour les gens qui réfléchissent. Et il y a des gens qui gobent ça. Oui, c'est vrai, les quatre imams, c'est qui ? C'est des gens normaux comme nous. Moi aussi, j'ai une réflexion. Tu n'as pas d'humilité, c'est tout. Tu n'as pas été éduqué religieusement. Tu ne sais pas aller où ta place. Wallahi l'azim, la personne qui connaît bien comme il faut l'ilm et qadr l'ulama, il est petit. Hein. Il est petit, il ne se permet pas de dire ses paroles. Ou comme dans certains audios, on entend, c'est des hommes, c'est la religion des hommes. C'est pas un aïb, franchement, de dire ça quand on parle des quatre écoles. C'est la religion des hommes. La religion des hommes. C'est-à-dire que Malik, Abu Hanif, Al-Shafi et Ahmed, ils ont inventé une religion. Ces gens dont on connaît leur biographie, on sait de qui ils ont étudié, de qui ils ont pris, comment ils sont morts, qui étaient leurs profs, qui étaient leurs élèves. Et ça y est, je vous le dis, la toile, elle est inondée. Illa man rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde pour ne pas généraliser. Car il reste encore, alhamdoulilah, une minorité, comme ça a été du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une minorité qui tient bien les rênes et qui sacrifie de leur temps pour expliquer, enseigner, etc. Et aujourd'hui, on touche, comme je vous ai dit, à hujjat al-sunnah. La sunnah, ce n'est pas vraiment un argument. Parce que le hadith, s'il est ahad, et hop, on ouvre une porte. De l'autre côté, on va dire ijma'. Quel ijma', mon frère ? Moi, je l'a'tarif bil ijma'. Et ça, normal. Il n'y a plus de problème. Je ne reconnais pas le consensus. Et de l'autre côté, les quatre écoles, ils ont quoi comme différence avec nous ? J'ai étudié leur texte. Voilà. On vit aujourd'hui une époque où il y a réellement, pour moi, un problème d'éducation chez ceux qui éduquent. Ceux qui éduquent, un grand nombre d'entre eux, pour ne pas généraliser, d'accord, n'ont pas reçu une éducation qui leur enseigne des petits. Ok ? Sois modeste. Reste à ta place. Fais pas de fatwa. Te prononce pas. Aujourd'hui, les fatwas, tout va. Hein. Les fatwas à tout va. Et ça se prononce sur des sujets où si tu contactes des savants, ils disent « Franchement, je prends des pincettes. Je peux pas me... » Allahu a'lam, la adri. Ils ont pas de difficulté à dire ça. Mais tu parles avec le jeune, il te dit ça, halal, ça, haram, ça. Vas-y, fais, mon frère, il n'y a pas de problème. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Moi, ça me fend le cœur. Wallahi al-'azhim, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que vous imaginez si ceux qui prêchent en France sont touchés, piqués par cette ignorance, mais qu'est-ce qu'ils vont produire ? Qu'est-ce qu'ils vont produire ? Quels fruits vont-ils récolter de leur da'wah ? Est-ce qu'ils vont encourager les gens à être plus pieux, à les tirer vers le haut ou à ouvrir des portes pour leur dire « C'est pas grave, écoute du son, maquille-toi, c'est pas grave, habille-toi de cette manière, c'est pas grave, fais ceci, c'est pas grave. » T'es à l'école, tu peux pas prier, c'est pas grave, prie avec tes pensées. Fais ceci, fais cela. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Là, on est en train de tirer les gens vers le haut, là. Et ce qui est gênant dans ça, c'est que c'est des fatwas. Là, c'est-à-dire que la personne se prononce, elle émet un avis juridique alors qu'elle n'est pas apte. Elle n'est pas apte. Et la personne, si elle s'est prononcée de cette manière-là, « Wa l'ilmu indallah » Allah seul en est le plus savant, c'est que la personne n'a pas reçu l'éducation qu'il fallait pour qu'on lui dise ça c'est ta limite, stop. Ahbis ici, là tu peux plus parler. Chacun d'entre nous connaît des étudiants en sciences religieuses. Vous avez déjà vu des tolab al-ilm qui disent tout le temps c'est ça la réponse, c'est ça la réponse. Il n'y a pas des fois ils disent je sais pas. Il n'y a pas des moments où ils disent la adri. Mais tout le monde dit la adri. Et c'est pas une honte. Au contraire. L'imam Malik, rahimallah, vous connaissez certainement l'histoire. Des gens, ils ont fait des voyages pour aller le voir. Combien de dizaines de questions il a dit la adri, je ne sais pas. Et c'était le plus savant de sa communauté. Ils avaient ce qu'on appelle al-wara. Un degré de piété tellement élevé qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, même s'ils avaient la réponse, ils avaient peur que la personne comprenne mal. Ils réfléchissaient à mille conséquences. Contrairement à nous qui pensons réellement être intelligents, sages. D'une grande maturité, d'une grande réflexion, etc. etc. Fahbab al-Kiram, chacun d'entre nous doit tout faire pour apprendre son din. Ça, c'est une obligation qui te concerne. Toi, dans un premier temps. Et puis, dans l'immédiat, tu dois t'occuper de ta famille. D'accord ? Parce qu'on est souvent là à s'occuper de nous-mêmes et on va voir directement le voisin et les amis. Et la famille, on la laisse, on l'abandonne. N'oubliez pas. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Faites très attention à ce qu'on ne vienne pas vous dire aujourd'hui. Le Coran,
finalement, Uthman radiallahu anhu, il l'a mal compilé, ou dans sa compilation, il y a des problèmes. Tout ça, alhamdoulilah, les savants, ils l'ont traité depuis... Sois serein. Ça fait des siècles que tout ça, ça a été traité. Pareil pour la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. On va te toucher à Bukhari, à Muslim, à l'imam, à Abu Hanif, à Malik, Shafi, Ahmad, etc. Ceux-là sont nos références. Si ce n'est pas tes références, dabarrasak. Fais ce que tu veux. Prêche ce que tu veux. C'est nos références. Je ne suis pas en train de dire que c'est des prophètes infaillibles. Bien évidemment qu'ils ont des akhta, des erreurs. Mais que représente une tache d'encre dans un océan? C'est rien. Donc ces gens-là, rahimahumullah, quand on les évoque, on doit faire beaucoup d'invocations pour eux. Ce sont des grands savants. Eux, ils ont été la cause que la religion d'Allah elle nous est parvenue aujourd'hui, ces grands savants. Donc le minimum, c'est de les respecter, de reconnaître leur qadr, leur valeur, et de ne pas venir dire aujourd'hui, comme on entend aujourd'hui, des discours impressionnants, impressionnants. Et cette ignorance fait, comme je vous ai dit, que ces fatwas émergent jour après jour, et puis après on a des fatwas tellement laxistes qu'on n'encourage plus les gens, comme je vous ai dit, à faire qiyamul layl, mais à enlever le hijab. Vous imaginez? C'est-à-dire, un salaf salih, rahimahullah, c'était une concurrence dans al-dhikr, dans tilawat al-Qur'an, la lecture du Qur'an, dans le jeûne, comme Abdullah ibn Amr ibn al-As. Quand on regarde un petit peu ces gens-là, Urwa, vous avez vu leur degré d'adoration, comment il était impressionnant? Aujourd'hui, on n'est pas en train de tirer le niveau vers ça. Et on se dit quoi? Non mais moi, t'inquiète pas, je suis ouvert. Mais en fait, on s'ouvre tellement qu'à la fin, on a mis tous les livres de côté. Attention à l'ouverture. Ouverture, pas de problème. Nous tous, on veut et on prêche une religion des fois de la Azogel de juste milieu. Hein? Et notre religion, elle nous appelle à être ouverts. Et elle est ouverte des fois de la subhanahu wa ta'ala. Donc, on s'arrête là où il y a nos textes et il y a nos limites. Il y a nos savants. Il y a des cadres. Mais quand il n'y a pas ces cadres, on entend ce qu'on entend sur le net. Et à cause de ça, un tel, il a arrêté la salat. Et une telle, elle a enlevé son voile, comme certaines de nos sœurs qui vont même être dans la chanson et qui vont, comment dire, se retrouver après, par la suite, à recevoir même des éloges de la part de certains prêcheurs. Bref, ces sœurs-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène vers la voie de la guidée. Et de toutes les manières, toute personne, que ce soit un frère ou une sœur, qui délaisse un commandement divin, tôt ou tard, les regrets commencent à le ronger intérieurement. Tôt ou tard, les tristesses l'envahissent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être apaisé intérieurement sans un lien spirituel fort avec Allah. Enfin, moi personnellement, là où j'aimerais vraiment mettre le doigt, c'est sur at-tarbiya, l'éducation. Et pour ce qui est de l'éducation, j'aimerais, Inch'Allah, évoquer avec vous quelques points très rapides, vraiment très rapides, que chaque personne qui chemine dans talab al-ilm, et je pense qu'on est tous des talab al-ilm, personne ne se prétend savant ici, non? Donc, toute personne qui... non, il n'y a pas? Toute personne qui se prétend talib al-ilm, demandeur de science, doit, bi'idhnillah azzawajal, respecter les quelques points que je vais évoquer très rapidement, bi'idhnillah, sans m'attarder. Premièrement, al-ikhlas lillahi ta'ala. La première des choses, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, t'apprends la science, t'apprends le savoir religieux, sois sincère. Tu l'apprends pour Allah. Tu l'apprends pas, liyuqal anka alim. Tu l'apprends pas pour qu'on dise de toi, qu'on te montre du doigt, que quand tu marches dans la rue, des tonnes de personnes veulent prendre un selfie avec toi. Si tu as appris pour ça, rappelle-toi du hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par un muslim, le hadith que vous connaissez sûrement. Hein. Les trois premières personnes de notre communauté qui seront jetées en enfer. Parmi eux, il y a qui? Il y a le savant. Et il y a une phrase qui est très très forte dans ce hadith quand il dit « waqad qil ». Toi, tu as œuvré pas pour apprendre et transmettre, mais apprendre pour qu'on dise de toi que tu as été savant. « Waqad qil » et cela a été dit. Ta récompense, tu l'as eu fait de dunya. Qu'est-ce que tu recherches le jour du jugement? Est-ce que c'est ça qu'on veut, mes frères, ainsi que mes sœurs, un vieux titre, quelques vues sur YouTube, quelques likes sur Facebook? Vous imaginez, on met notre paradis en jeu pour des likes, pour maintenir un lien de proximité avec nos fans, j'aime pas ce mot. C'est terrible. Wallahi, c'est terrible. Et subhanallah, Cheikh Mohamed Hassan, qu'Allah le préserve, il disait une phrase, wallah, elle est trop forte. Il disait, Allah, fais que nous ne soyons pas des ponts qui amènent les gens à traverser par le dessus de l'enfer et qui finissent à la fin eux-mêmes en enfer. C'est-à-dire que tu peux te retrouver, toi, à être un pont. Un pont. Tu vas amener les gens
de l'égarement au paradis. T'es une cause. Et à la fin, toi, ce malheureux pan, tu finis en enfer. Pourquoi ? La fréquence de la sincérité chez toi n'était pas réglée. Enfin, ça, c'est une nasiha que je me fais à moi-même en premier. Le pauvre mesquin qui prêche n'est pas meilleur que ceux qui sont en train d'écouter. Et wallah, j'en suis convaincu. Chacun d'entre nous, il revoit devant sa porte, sa nia avec Allah. Comment elle est ? Est-ce que quand tu marches, tu veux qu'on te reconnaisse ? Est-ce que quand on te voit, tu es triste quand on ne t'appelle pas un tel, cheikh un tel, imam un tel, professeur un tel ? Atta ibn Abi Rabah, à son époque, c'était le mufti de la Mecque. Et c'était l'un des plus savants de son époque. Dans son assemblée, il n'y avait pas plus de 8-9 personnes. Et ça ne le dérangeait pas. Aujourd'hui, va ramener un imam et tu lui mets 8 personnes ici. Il dit, qu'est-ce que vous avez mal communiqué sur Facebook ? Qu'est-ce qui s'est passé, les frères ? Vous avez utilisé WhatsApp au moins ? Ah non ? Vous avez envoyé des mails groupés ? Comment ça se fait, il y en a que 8 ? On dirait que les gens ils viennent pour du nombre aujourd'hui. Et tout ça, c'est des très grands dangers. Qu'il y ait une personne ou 1000, c'est pareil. C'est pareil. Et si ça ne l'est pas, c'est que dans notre sincérité, il y a beaucoup de choses à voir. Énormément de choses à voir. Donc la première des choses que je me recommande ainsi que vous, c'est de revoir notre ikhlas, notre sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour essayer de faire très vite, lire beaucoup de livres concernant l'importance de la science et le comportement que doit avoir l'étudiant de science. Tout ça, ça va façonner ton éducation. Tout ça, ça va faire de toi quelqu'un qui n'est pas hautain, qui sait respecter une divergence, qui est fondée, qui ne court pas derrière les avis isolés, qui est bien mu'assal ilmiyan, quelqu'un qui a été bien façonné, bien construit, scientifiquement parlant. De même, une parmi les choses qui est super gravissime, ou plutôt un conseil que je me donne ainsi qu'à vous, c'est al-hadar min at-ta'alum. C'est, là on va l'utiliser à bon escient, une mise en garde contre le fait de ne pas, comment dire, se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il y en a, ils sont comme ça. Il vient d'étudier l'alphabet, d'accord ? Il a fait 3-4 hadiths avec son prof. Et comme vous le savez, quand on est dans une assemblée où les gens ne connaissent pas, ben, le borgne est roi dans le royaume des aveugles. Tout de suite, il veut montrer qu'il a ses 3 hadiths dans sa poitrine et qu'il les connaît par cœur, qu'il les maîtrise. Et quand il va reprendre les gens, voilà. Et dans l'assemblée, qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, les gens, ils le regardent avec des yeux émerveillés. Et on est assez fasciné. Pourquoi ? Parce que monsieur est à l'aise, éloquent, il parle bien, c'est construit, c'est des preuves, etc. Et tout de suite, on commence à lui poser plein de questions. Et lui, là, il a honte maintenant de dire qu'il ne sait pas. On m'a mis sur un piédestal, maintenant je suis obligé d'assumer. Comment ça, tu es obligé d'assumer ? Si tu t'es retrouvé dans cette situation, c'est parce que tu n'as pas su dire « je ne sais pas ». La adri. Et c'est une grande honte de parler, voire même c'est interdit dans la religion d'Allah, de parler sans science. T'imagines, tu parles à Allah, sur Allah et sur son messager avec jahl. Et on va le voir tout à l'heure aussi, ces personnes-là qui vont te dire ce hadith-là, non, et tu fais ça, tes amis, ils le sentent. Celui-là, non, je le... Non, celui-là, attends, me dis-tu, tu sens quoi, frère ? Tu sens quoi ? Yerham Babak, tu as lu quoi comme hadith ? C'est-à-dire, lui, en fait, son critère pour sélectionner le hadith, savoir s'il est authentique ou pas, c'est... Mais n'importe quoi, va te moucher. T'as un problème. C'est pas comme ça qu'on reconnaît si le hadith est authentique ou pas. Parce que monsieur, il le connaît pas, donc il est daif. Ou bien, il est inventé. Et tout ça, c'est des dangers dont on va parler, biznillah. Donc, al-hadar min at-ta'alum. Ensuite, rapidement, al-thana ala Allah azzawajal. Quelqu'un qui est bien éduqué, à chaque fois qu'il dit le mot Allah, il dit subhanahu wa ta'ala, azzawajal, jalla fi'ulah, etc., etc. D'accord ? Ou en français, exalté soit-il, etc. Et même, habituez-vous à l'écrire. Parce qu'aujourd'hui, on le verra par la suite, des abréviations dans tout. Donc, quand tu es un étudiant en sciences bien éduqué, à chaque fois que tu mentionnes le nom d'Allah, tu dis après « Azza wa Jal » ou « Subhanahu wa ta'ala » ou « Tabaraka wa ta'ala ». Il y en a plein des formules, d'accord ? Ensuite, quand tu parles du prophète, alayhi salatu wa salam, pareil, tu ne dis pas « le prophète a dit ». Non, un vrai étudiant bien éduqué, il dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa salam ». Et ceux qui sont autour, qui sont éduqués, ils disent « alayhi salatu wa salam » quand ils entendent, compris sur le prophète, alayhi salatu wa salam. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et pareil, dans vos écrits, essayez de vous habituer, même dans vos écrits. Dans les SMS, les WhatsApp, etc., vous gagnez des récompenses. Aujourd'hui, c'est SLM. Pour Salam.
Le prophète Saous a dit, transmet BFK. Je sais pas. Écris. Écris pour gagner des récompenses. Subhanallah, quand on regarde un peu les massanides, les livres de hadith, les savants, combien de hadith ils ont écrit du prophète alayhi salatu wasalam? Est-ce qu'ils se sont lassés à chaque fois d'écrire alayhi salatu wasalam? Non. Pareil pour At-Taradi an al-Sahaba. Quand tu parles des compagnons, tu dis pas Omar, il a dit. Omar qui? Lequel? D'où? Omar. Non, non, Omar, t'as pas lu son histoire. Lequel? Où? Omar. T'as vu Aïcha ce qu'elle a dit? C'est catastrophique. Donc, quelqu'un de bien éduqué, quand il dit Omar, il dit radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Ou radiallahu anha, quand c'est une femme. Ou radiallahu anhum, quand ils sont plusieurs. D'accord? Pareil, fait partie du bon comportement avec la science, le fait d'invoquer Allah en faveur des savants, qu'ils soient vivants ou morts, quand on cite leur nom. Pareil, tu parles d'un shir qui est vivant, ou un imam qui est vivant. Tu dis Hafidhahullah. D'accord? Ou Rafalallahu lah. Qu'Allah le préserve, qu'Allah lui pardonne. Il est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahimahullah. Et subhanallah, t'as plein de savants, ils sont comme ça. Chaque fois qu'il cite un savant, pour lui c'est normal, c'est naturel. Rahimahullah, rahimahullah, etc. Il y en a même, subhanallah, parmi les savants, quand il lisait les livres de biographie, à chaque nom il s'arrêtait, il disait Rahimahullah, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu, etc. Donc il faut qu'on... Ça s'appelle tirer le niveau vers le haut pour tarbiyah. C'est de cette manière qu'on se comporte d'une manière exemplaire avec l'ilm. Aussi, quand tu rapportes une parole, apprends à transmettre cette parole en connaissant ta source. Ça va t'aider. Si dans un début c'est un peu compliqué, mais avec le temps, quand tu vas évoluer, tu ne vas pas rester toute ta vie le débutant qui était dans l'alphabet. À un moment donné, tu vas rapporter un hadith, apprendre un hadith, etc. Si on te questionne sur ce hadith, ben, au moins si tu as réussi à l'apprendre, apprendre d'où est-ce que tu as tiré ce hadith. Il est dans Bukhari, il est dans Muslim, etc., etc. Pour appuyer ton argumentation. Fais partie aussi du bon comportement dans l'ilm. Quand tu cites une faïda, tu as entendu une belle parole dans une conférence ou une khutba ou autre, d'accord? Et bien, quand tu la répètes, tu dis l'imam ou le shir ou tel savant ou j'ai lu dans tel livre et tu attribues cette parole à qui tu l'as prise. Ça fait partie du adab. Ça fait partie du adab. Azul faïda ila sahibiha. Parce qu'à la fin, finalement, ça va être quoi? Si tu as écouté une très belle parole éloquente, que tu transmets toi sans dire d'où tu l'apprends, les gens ils vont penser que ça vient de toi. Et tu es en train de t'acheter une fausse image. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc nous, on s'est mis d'accord sur l'honnêteté et la sincérité, l'honnêteté intellectuelle. Donc voilà. Aussi, parmi les comportements adoptés avec l'ilm, c'est le fait de faire très attention à ne pas utiliser des informations qui sont inventées. Et comment savoir si c'est inventé ou pas? Déjà, par le fait de ne pas transférer un message que tu as reçu par SMS, WhatsApp ou Facebook ou autre, tant que tu n'as pas demandé à quelqu'un de science, si toi tu n'en as pas, de vérifier si cette information est fiable ou non. Mais vous avez vu aujourd'hui comment ça se passe? Vous avez vu en quelques heures là ce qu'on a reçu comme plus de SMS sur l'éclipse et tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'il veut sur l'éclipse lunaire? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et comme personne n'a le niveau de vérifier, bah khalas, transmet. Il y a des erreurs, il n'y en a pas, mais allez, je transmets, juste transmets. Ça a l'air bien construit, ça a l'air, ça tient la route à vue d'œil. C'est pas à vue d'œil, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Fabarakallahu fikum, Allah yahfazkum. Faites très attention à toujours vérifier vos sources. Aussi, l'étudiant en sciences religieuses fait très attention à ne pas se précipiter à comprendre quelque chose sans prendre le temps. Je m'explique. C'est-à-dire, il va lire quelque chose, d'accord? Il a lu à peine deux lignes sur le chapitre, et pour lui, ça y est, j'ai déjà compris. Ne te précipite pas. Relis deuxième fois, troisième fois, et n'hésite pas même à poser des questions à des gens qui ont étudié ça pour vérifier si ton fahm, si ta compréhension est bonne. Parce que vous êtes d'accord avec moi, combien de fois on a lu des choses et à la fin, il s'est avéré qu'on n'avait pas une bonne compréhension de ce qu'on a lu. Oui ou non? Donc, n'hésite pas à demander confirmation. Aussi, et ça c'est la plus grande des catastrophes, c'est le fait de rejeter quelque chose parce qu'on ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas entendu ce hadith, cette parole de savant. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, non. Ah non, j'ai jamais appris ça. Hein.
Ah, j'ai jamais lu ça. Tasmahli. T'as jamais appris ça, t'as jamais lu ça. Ça fait combien d'années que t'apprends et que t'étudies? Et avec qui? Et quel livre t'as étudié? Combien d'années t'as posé tes genoux devant des gens de science pour apprendre? Comment est-ce que tu peux prononcer ce type de parole? Un peu de pudeur. Estahi. Et un peu de pudeur et honte. Tu peux pas dire de tels propos. Fais très attention. Wallahi, c'est très grave. Et quand tu regardes, subhanallah, certains ils vont dire quoi? Lam yarid hadha fi sunnah. Comme ça. Ah, celle-là, elle est trop forte. Il n'y a pas dans la sunnah quelque chose comme ça. Celui qui fait ça, il a fait une bid'a. Attends, doucement. Ça peut être bid'a. Je ne suis pas en train de dire la bid'a n'existe pas. Ça peut être. Mais tu es bien sûr, tu as bien creusé le sujet. Et on voit souvent que ces personnes-là se sont contentées d'une opinion qu'on leur a envoyée, qu'il a lu, qu'il a découvert. Et ça y est, il n'est pas parti creuser plus loin. Aussi, Ahbab al-Kiram, faire très attention quand tu prononces un hadith bil ma'na. Il peut arriver que quelqu'un vienne dire, déjà il y a un débat sur est-ce que j'ai le droit de rapporter un hadith avec son sens, mais dans le cas où tu le fais très attention à ne pas déformer les propos du prophète alayhi salatu wasalam. Si tu connais pas le texte, tu peux dire j'ai entendu ou j'ai appris que le prophète il dit dans son sens dans le hadith ceci et cela. D'accord? Mais rapporter dire le prophète a dit et tu n'es pas sûr. Et tu le sais que tu n'es pas sûr. Et tu t'engages, c'est très grave. Très, très grave. Et ça, si ça s'est produit, c'est parce que tu n'as pas été bien éduqué. Il faut faire très attention à ce point. Aussi, ne pas s'attrister si plus tard, tu atteins un degré de science élevé et qu'il n'y a pas beaucoup de gens devant toi. Ou que tu sois très heureux d'avoir des tonnes de personnes devant toi. Subhanallah. Est-ce qu'on prêche pour le nombre, nous? J'oublierai jamais de ma vie cette phrase, comme il disait tout à l'heure mon frère Mohamed, les histoires personnelles, généralement, elles touchent. J'étais avec mon professeur, Cheikh Ayoub, qu'Allah le protège. C'était en cinquième année. Et je me rappelle, on avait, si ma mémoire est bonne, c'était à 8h30, je crois, le cours de Qur'an. C'est bien ça, hein, en cinquième année. 8h30 à peu près. Hein. Et à 9h, c'était les autres matières. En tout cas, c'était, on va dire, une demi-heure avant. Sixième année, alors, c'était la sixième. C'était 8h30, en tout cas, c'était le dimanche matin. C'est la sixième année, la sixième. Et je me rappelle, il y avait le frère Fatih Dalkanz. Je ne sais pas si vous connaissez le site Dalkanz. Il était dans ma classe. Et puis, il a posé une question à Shir qui était très pertinente. Parce qu'il s'est passé un événement, quelque chose qui a choqué le Shir. C'est quoi? C'est qu'en fait, lui, il commençait le cours avec nous à 8h30. Et il faisait avec nous Qur'an et Tajwid, donc récitation et correction de la lecture, de la récitation, jusqu'à 9h. Et à 9h, après, bon, on faisait la grammaire, la biographie du Prophète, les 40 hadiths de Noé, etc. Et en fait, après, il a vu qu'il y avait un élève qui maîtrisait bien comme il faut le makharij, donc la prononciation des lettres, etc. Il lui a dit, je préfère te laisser cette demi-heure, c'est toi qui interroges les élèves et tu les notes pour ce qui est du Coran. Donc le prof, Cheikh, il a interrogé d'abord cet élève, d'accord? Puis après l'élève, il avait cette demi-heure-là où on était ses élèves, alors que c'est un camarade de classe, je ne sais pas si vous avez saisi. Vous comprenez? Et comme c'était lui, notre professeur pendant la demi-heure, ben on ne venait pas à 8h30. On venait à 35, 40, 45. Lui, il disait rien. Il était gentil, donc il disait... Tranquille, nous on savait qu'on était couverts. Un beau jour, cher, on passe dans le couloir et il voit des gens rentrer à 45. Il se pose la question, comment ça se fait? 15 minutes de retard. Je ne sais pas si vous connaissez le règlement intérieur de la madrasa, 10 minutes, c'est fini, hein? 10 minutes de retard, classe. Et donc là, le cher, il rentre en classe à 9h. Il dit, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. Et il donc fait part de son mécontentement. Il dit, voilà, j'ai vu que vous vous êtes permis de venir en retard, etc., etc., etc. Il a dit, la prochaine fois, c'est simple. Hein. 10 minutes de retard, faites demi-tour, rentrez chez vous. Et là, le frère Fatih du site Al-Kanz, il lui a dit une phrase, il lui a dit, mais Mu'alim, parce que nous, on l'appelle Mu'alim, donc Mu'alim, ça veut dire professeur. Il lui a dit, Mu'alim, si vous faites ça, il ne restera plus personne dans la classe. Il lui a dit, depuis quand on est ici pour faire du nombre? Depuis quand on est ici pour faire du nombre? Ça fait partie des phrases qui sonnent encore dans ma tête jusqu'à maintenant. Et la sixième année, je l'ai quittée, ça fait longtemps, mais elle sonne encore. Donc si toi,
tu passes par un éducateur bien éduqué, bi'idhnillah azza wa jal, ça portera ses fruits. Ça portera ses fruits. Donc voilà, faire très attention à Allah ibarik fikum sur ses comportements. Aussi, quand tu lis, très important de ne pas se disperser dans la lecture. Généralement, quand quelqu'un il commence, il a envie de tout lire. Il ne sait pas par quoi commencer. Il te faut un professeur qui te dit, commence par ce petit bouquin qui est résumé dans telle matière. Puis après, tu as fini, tu prends ce bouquin et tu montes l'escalier marche par marche. Mais quand on est livré à nous-mêmes, à la fin, on n'a pas du ilm, on a des connaissances. On n'est pas bien construit, on n'a pas des fondements solides dans la science. On a quelques bouts d'informations, des échantillons d'informations. On est capable de discuter comme si on parlait de foot, mais on a des limites. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de base solide. Aussi, un point important, faire très attention à ne jamais de la vie se prononcer sur un sujet quand on ne le maîtrise pas à 100% et qu'on n'a pas validé ça avec quelqu'un qui connaît plus que nous. Qu'on l'a bu de quelqu'un qui a du savoir, qui a de la hikma, qui a du recul, qui a de l'âge. De cette manière-là, yarsakh al-ilm indak. De cette manière-là, ta science, c'est du béton. Mais tu viens, tu prends comme ça des échantillons à droite à gauche, ça ne construit pas un vrai talib ilm. Aussi, un point très important, c'est de ne pas accorder d'importance du tout aux mises en garde infondées et aux excès d'éloges. Ces deux-là, ils sont à mettre de côté. Quelqu'un qui te gonfle, qui te voit comme je ne sais quoi, toi, rappelle-toi toujours que tu es tout petit dans le monde de la science. Que tu es petit. D'accord ? Wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous n'avez eu que peu de science. Tu n'as pas beaucoup de connaissances. Même si tu prétends en avoir beaucoup comparé à ceux que tu fréquentes ou ta mosquée, etc., tu restes dans le domaine de la science une graine, un petit grain de sable, quelque chose de tout petit. Donc apprends à te souvenir de ça. Et quand tu reçois des critiques qui ne sont pas construites, que ça ne t'affecte pas, mets ça de côté. Mais si elles sont construites, même si elles viennent d'un ennemi, apprends à en tirer profit. Essaye de te réformer par cette critique et remercie Allah qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a permis de te corriger de ton vivant. Et pour terminer, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps, c'est-à-dire sois quelqu'un d'ordonné. C'est pas je me réveille à 14h, je mange, je fais une sieste, je me réveille à l'asr, je prie, je reste sur les réseaux sociaux jusqu'au maghrib, après je sors, je vadrouille dehors. C'est quoi cette vie ? Sois quelqu'un d'ordonné dans ton apprentissage, dans tes adorations. Sois quelqu'un qui donne le droit à tout. Et je termine avec cette parole que le prophète alayhissalam a approuvée, celle de Salman. Wa a'ti li kulli dhi haqqin haqqah. Et accorde à chaque ayant droit son droit. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah tabarak wa ta'ala me permet ainsi que vous d'être clairvoyant, de cheminer lentement mais sûrement vers lui azza wa jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de pieux serviteurs. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala enlève de nos cœurs tout amour de ce dunya, de la notoriété, du buzz, de... qu'Allah azza wa jal nous éloigne de toutes ces tentations et ces chemins qui mènent à la perdition, et qu'Allah azza wa jal nous rassemble tous et toutes dans son paradis. Assallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.